Lancer de nouvelles idées dans des matières monétaires est toujours un risque, parce que le monde financier est extrêmement sensible. Critiquer les décisions prises collectivement est une erreur stratégique. Exécuter correctement les décisions prises est vital pour la crédibilité de l'eurozone. C'est pourquoi l'implémentation des conclusions du sommet du 21 juillet est dans le contexte actuel un must pour notre crédibilité. Tout l'accord et rien que l'accord du 21 juillet, c'est à brève échéance la priorité des priorités. Personnellement, je suis convaincu qu'on peut éviter une récession. L'eurozone sortira autrement de cette crise. Elle sera méconnaissable. Entre-temps, l'euro reste une monnaie forte et, selon certains même, une monnaie trop forte. Même un grand pays comme la Chine a intérêt à rectifier le tir. Et je crois qu'on doit prouver que tout le monde y gagnerait, et nous autres en compétitivité, et eux en plus de stabilité monétaire à l'intérieur de leur pays.